Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 116e épisode de notre Let's Play Station Heroes en coop sur Mimas avec Sabdam et XK, et aujourd'hui on va réfléchir à plus de générateurs. Allez, c'est parti. Déjà, je vais aller en stocker pour faire du charbon, pour faire du... de l'acier, comme ça on en aura. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc ça va être... pas besoin d'en appeler. Voilà. Je t'attends à l'airlock. Lequel ? De l'entrée. D'accord. Principal. Je suis à l'airlock du bas. Oh, je t'attends. J'arrive. J'ai franchi l'airlock. Je répète, j'ai franchi l'airlock. Je monte l'échelle. Je répète, je monte l'échelle. Je suis au-dessus des batteries. 5, 4, 3, tu fermes l'airlock ou bien ? 2, 1, je ferme l'airlock. Non. Ah oui, si. J'allais dire non, il ne se ferme pas. Et alors, il est à moitié fermé, t'as une save. Regarde à ta gauche. Ah bordel. Putain, ma mère qui était descendue, qui était remontée, pas l'autre. Super. L'airlock était à moitié fermé. C'est un demi-airlock. Un hermilock. Je sais pas pourquoi je te suis d'ailleurs. Bon, parce que par principe. Alors, où est-ce que je vais stocker ça ? Plutôt côté appel ? Il y avait. Ah non, il n'y a pas vraiment de quoi stocker ici. Non, il n'y a rien. Oups, non, il n'y a rien du tout. Là. On va stocker ça par là. Donc, un. Non, il faudrait qu'on fasse une petite pièce de générateur juste à côté du générateur qui est tout seul. Ou même plus loin, avec des gaines techniques, à la limite. Et on connecte tout. On fait une automatisation pour voir combien il y a de... S'il y a beaucoup de charbon ou pas. Ça en fait 7. T'en avais pas à poser, toi ? T'avais rien pris sur toi ? Je les ai mis au générateur. Ah, d'accord. Ah bah, c'est bon alors. Il n'y avait pas tant que ça. Non, ça va. Ouais, en fait, c'était par 100, c'est pour ça. Oui. Ah bah on pourrait gagner je en place. Sortent... Oui, ils sortent par 100, puisque la biomasse, on n'avait pas augmenté la taille. Tiens, par contre, ça j'ai... Ça c'est du coal, ouais, je peux le balancer. Si on mettait un stacker, ouais, il y aurait moyen et de... Et de l'oxyde. D'économiser. Ouais, je vais balancer l'oxyde. Ça résout pas le souci, mais bon. Ça économiserait un peu. Alors après, peut-être qu'on se fait avoir aussi par le silo qui doit nous dupliquer les items. Ouais, c'est possible. Vu qu'il y a le bug du silo ouvert en permanence qui duplique les items. Ouais. Bah attends, pourquoi on est rentré ? Il faudrait... Il faudrait qu'on isole la salle du générateur. Pour récupérer ses gaz ? Pour récupérer ses gaz. Il faudrait du coup des passive vents. Ouais, mais si on l'agrandit, la pièce là du générateur. Alors ça n'empêche pas de. Je vais regarder s'il y a de la place autour, qu'est-ce qu'on peut faire. Comme ça, quand Sabdam est de retour, on en parle. Sinon, on met juste un stack, un sorteur qui fait du round-robin entre les deux. Et... Ah oui, non, oui, ça l'idée hein, pour commencer. Et 3 sorteurs et 4 générateurs. Sorteurs et 4 générateurs. Je pensais un sorteur et 2 générateurs déjà pour commencer. Non ? Alors, Marc. Bah, autant voir grand. Hein. Autant voir grand. Ah, voilà. Jamais voir petit. Tu vois, tu dis on va voir grand et Sabdam arrive. Je vous écoute. Donc, Sabdam, hein. Je sais pas de quoi vous parlez. Mais... Bah oui, je vous non, en fait, pas. On vient de vérifier avec Elru, là, au niveau du charbon dans la serre. Oui. Le stock augmente. Ça continue de s'accumuler, malgré que le générateur soit forcé en continu. Ouais. Elru, il y a déjà une passive vent ici. Ah. Ce qui est relié à l'atmosphère externe. C'est ce que je suis en train de vérifier, en fait. Alors, dans ce cas, il faudrait juste une valve standard. Pour la mettre en... Ah !
En one way. Ouais, voilà. Merci. J'ai pas, y a pas de Volvo standard qui traîne par là. Non, c'est. Bon. J'ai mal regardé, peut-être. Donc, Sabdam, ce qu'on disait, donc, comme un générateur qui marche à 100% du temps n'est pas suffisant. On va en mettre plusieurs. On va en mettre. On va avoir besoin d'une pièce pour mettre 4 générateurs. Ouais. En tout. Sans problème. Et si possible qu'il soit proche de là où il y a déjà le générateur actuel. Donc ça peut être à la salle ou à la salle des batteries, tu sais, les batteries qui sont en tête de pont. Ouais. Il y a un petit peu de place au sous-sol à côté, je pense qu'il y aurait moyen d'agrandir par là-bas. Oh, il y a plus de moyens là-bas. Ouais. Pour éviter de changer la forme du bâtiment, sinon. Parce que sinon, faut repousser un peu les murs et tout. Écoute, c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Dis-moi. Bah, je suis en train de repousser les murs, mais de l'autre côté, là. Ils doivent bien repousser. Bah, c'est parce que tu les avais beaucoup arrosés. Ouais. C'est surtout parce que je suis digne de moi-même, c'est-à-dire que. Toujours un insatisfait. Toujours plus. Respectueux des traditions. Voilà. Donc oui, je vais réfléchir à quelque chose qui peut s'intégrer facilement. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a... Attends, je vais lancer les sorteurs déjà. À l'heure actuelle, il n'y a pas la place du tout d'en squeezer plusieurs dans l'espace actuel en repoussant un tout petit peu les murs. Non. Là, il n'y a pas, moyen. Il faut tout modifier la structure. Mais je pense qu'il faut qu'on la modifie sous le... Là où il y a le brûleur actuel, hein. À mon avis, en dessous... Ouais, mais en dessous, il y a la salle des batteries, en fait. Il y a les batteries qui sont en tête de pont, qui sont un petit peu, tu sais, non, mais dans le mur. Il faut partir de dessous, de l'autre côté. Ouais, En fait, si on le fait au niveau des batteries qui sont en tête de pont, ce serait nickel. On aurait une petite salle avec les batteries en tête de pont et juste à côté, la salle avec les générateurs. Ouais, ce serait, comme ça, c'est pile poil dans le coin où il y a les chutes qui passent, en fait. Il faudrait juste prolonger un peu les chutes avec le charbon. On aurait l'automatisation là qui est juste au-dessus. Bah, du coup, on la dégage, on la referait. De toute façon, il va falloir la refaire parce qu'il va falloir regarder s'il y a du charbon qui s'accumule ou pas. Donc, il va falloir la refaire. Puis du coup, bon, on a coûté des batteries, donc c'est nickel. Ah. On passe juste un gros câble, et puis voilà. Du fer. On a du fer ici qui traîne. Ouais, faudra que je regarde ça. Je vais regarder ça. Mais tu veux pas qu'on regarde ça maintenant ? Je me sens, on regarde ça. Si. Non, mais j'ai regardé, je suis en train de juste finir un peu. Si t'es là-bas, tu peux regarder s'il y a du fer dans la salle de la fournaise. Non, j'y suis pas. Ah. Je suis dans la salle des batteries là. D'accord, moi j'y vais. Je vais attaquer les frames juste pour qu'on puisse faire passer le tuyau. Là. J'ai déjà fait 3 sorteurs, j'allais faire 3 générateurs, mais il manque. Du fer, donc. Je vais récupérer du fer. Est-ce qu'on a du fer de fait ? C'est ni fait ni à faire. Il y a un lingot. Oh là là, la rue. J'arrive pile poil au-dessus de la gaine technique de la serre. C'est pas beau, ça? Donc ça va être nickel pour passer le tube. Non, ça va être charbon. Ça va être, ça va être charbon. On n'a pas besoin de nickel. Bon. Il faudra refaire du fer.
à l'occasion. J'ai ramené le dernier lingot que j'ai trouvé là. Juste la structure comme je l'ai agrandie, je suis malade, je continue d'être malade, bon, pas grave. Faut arrêter hein, monsieur. Non mais il faut que je fasse des appartements, mais avec toutes les gaines techniques qu'il faut poser et tout. Elru ? Oui, c'est moi. T'es à l'entrée ? Traite-moi ta foreuse. Oh, ta foreuse ! Bonjour. Ah, je t'ai pas mis au bon endroit. Bonjour, je viens vous prêter la foreuse. La foreuse, je ne l'ai pas mis au bon endroit, c'est tout de la top. Tu l'as mise où ? T'es où, Elru ? Je suis là. C'est pas la foreuse que j'avais pas mis au bon endroit. Je suis là. J'ai mis 250 de fer dans un... Tiens, elle est là. Merci. Dans le mauvais... dans la mauvaise machine. Ah. C'est pas grave. Tiens, ta foreuse ne s'appelle même pas Elru. Oh, c'est pas normal. Elle est pas aux normes. Non. C'est le mec qui me l'a donné qui l'a pas mis aux normes. Ouh, c'est long de faire des solides générateurs. Alors, en faire 3. Ah ouais ? Ouais, là, le premier, il est à peine. C'est long de faire des cadraciers, là. À 50%. J'ai plus de cadraciers qui poussent, là. Ça m'énerve. Et est-ce que tu les as bien arrosés ? T'avais arrosé tes murs, ils ont bien poussé. Mais les cadraciers. Ouais. T'es où, du coup, XK ? Je suis. Alors, dans la salle des batteries, en fait, ouais. Oui, j'y suis aussi. Qui est ? Alors, je suis par ici, je sais pas si tu me vois. Regarde en l'air. Viens vers les batteries violettes. Allez. Batterie violette, c'est pas les roses. Non, c'est pas les roses, c'est les violettes. Par ici, ouais, t'étais dans le bon coin. De l'autre côté. Voilà, regarde en haut. Oui, mais je te vois. Hein. Voilà, donc par ici, allez, ça avance vite avec le jetpack. Juste par ici, on a le tuyau. Et on va pouvoir faire une petite gaine technique. Quel tuyau ? Ça va bien se creuser. Il y a un tuyau jaune avec une Ah, ce tuyau n'est pas aux normes. Ressemble à un tuyau. Est-ce que t'as pas remarqué quelque chose ? Quoi ? C'est que ce que tu fais sur Stationnir, je ne le démonte pas. Ah, ouais, c'est vrai. En même temps, ce que je fais, c'est tellement complexe. Oh non, ça fait des heures. Tu l'as déjà fait, remarque. Ouais, il l'a fait une fois, il a dû reconfigurer l'IC, du coup, il a pas recommencé. Non, c'est mordu les doigts après. Non, c'est pas ça qui m'arrête, les gars. C'est pas du tout ça qui m'arrête. Non, c'est parce que SK, sur Stationnir, il se débrouille bien maintenant. Dans mes idées à la folie. Dans mes folies. Oh, je fais pas grand chose non plus. Non plus. Pourquoi j'en avais lancé qu'un ? Ah, parce que c'était là que j'avais configuré 3. Attends, SK, t'es où ? Je suis aux batteries. Oui, non, je suis dans une batterie, mais... Derrière les violettes. Ouais, mais voilà. Derrière les violettes. À gauche des batteries violettes. Ah, violettes. Mais en haut ou au niveau de la game technique ? Il y a des frames qui sont ouvertes. En haut, ouais. Je remonte, alors. Je fais une frame technique verticale. Une frame technique ? Ah mince, je suis rentré dans le truc local à ma batterie de secours. Ma langue a foiré. La fourche a langué. Mais Les violettes. Mais j'y suis aux violettes, je te vois pas. Les miroirs ? Il y a un trou dans les... Il y a un trou dans les frames, ça te donne. Regarde plus haut. Ah yep, j'ai vu, ça y est. Regarde plus haut. Donc ce serait par là que on étendrait. On pourrait étendre par là. Non, c'est pas pour. Non, c'est pas là. On va juste faire passer un tuyau. Parce que en dessous, là-bas, il faut encore que je creuse. En dessous, là-bas, il y a le tuyau des rejets. En fait, là, la zone où il y a le. Où actuellement il y a celui de générateur, je pense qu'on peut l'agrandir sans problème. Le sous-sol, là, il y a beaucoup de place. Ça serait très logique de l'exploiter parce qu'aujourd'hui, ça fait juste un petit trou.
Oui, mais ce serait. Oui, mais là, c'est mal placé. Le rue vaudrait mieux que ce soit, en fait, ici. Où il y a le. À droite de la salle des batteries. Comme ça, on y accède aussi avec les batteries et tout. On peut se faire Tu veux dire un vrai panneau de derrière les batteries rouges et supervision. les batteries kaki? Ouais. Non, non, pas derrière. Sur la droite des batteries rouges et kaki. Oui, mais elle nous servirait à quoi du coup cette première salle? Il n'y aurait plus rien dedans. Ce serait triste. Sinon, tu laisses l'ancien générateur. Là, on va se faire chier avec les chutes. Si on laisse l'ancien générateur. Ouais, ça va être embêtant, ouais. Ah, bah, c'est par là-bas. D'ailleurs, il. Ah oui, il tourne. Oh, ouais, bah, laisse-le tourner. On le démontrera après, à la fin. Le stacker, il tourne. Il tourne vite, hein. Oh, regarde, une pièce ici, sable d'âme, ce serait nickel. Où je creuse? Ouais. En plus, on a déjà la gaine technique de la pièce qui est faite. Moi, ce que je dis, c'est qu'on pourrait se mettre. Ah! Dans une frame, apparemment. C'est quoi la Ah, c'est gaine? la gaine technique qui va vers la Yep. salle Atmo. Tout à fait. Bah, il y a un Nickel, tuyau regarde, il y marron. a les câbles qui passent. Il y a le tuyau marron qui passe. Que demande le peuple? Mais en fait, je serais plus fan de le reculer du côté de là où il y a Sabdam. Alors, il est où, Sabdam? Il est là, en contrebas. Sur la gaine technique du dessous. Attendez. Bah, à la limite, si on fait un couloir avec une porte d'accès et tout, ça pourrait le faire, ouais. Regarde. Regarde où. C'est quoi ça? XK. Attends, j'ai découvert une gaine technique que je connaissais pas. Ah non, je sais où c'est bon. Tu connais déjà pas encore? Non, pas vrai. Non, celle-là, ça faisait très longtemps que je n'étais pas passé par ici. Ah, mais si, il y a des gaines là où je suis pas. Moi aussi, ça fait longtemps que je suis pas passé. Quand j'essaie de descendre un cran, voilà. Ouais. Ah, Ah, voilà. tu m'as poussé. Dis-moi, elle rue. Regarde juste au-dessus de toi, il est là le générateur actuel. J'essaie de me pousser. Ah oui. Combien de générateurs? On va en mettre 6? 4. Non, 6, ça ne marche pas. Tout de suite, sa dame, il amplifie tout. Non, mais surtout, Non, ça marche pas. mais. 6, c'est pas possible. C'est 4 ou 8. Ou 16. Ou Ouais, non, 32. 4. Bah, 4, 8. c'est bien. Non, 4. Bah, on laisse de la place pour 8, mais on commence 4. Non, mais on va pas. Non, Mais. non. 4. J'en fais 8. C'est bon, 4. allez. Non, mais il y en aura 4. Non, Oui. sérieusement, fais pas une pièce encore immense. Faut que ça soit rationnel. Bah, c'est rationnel, mes pièces. Non. C'est proportionnel au reste. Non, regarde, quand tu fais Non, une mais là. pièce immense, pour la rationaliser, je fais la serre. Donc fais une pièce rationnelle pour 4. 4 frames de Personne. large. 4 frames de large, plus 4 peut-être personnes, 4 générateurs. un Non, peu mais la non, c'est place pas de tourner équivalent. autour, mais pas plus. Va faire quelque chose de beau. En fait, ce que je me disais, c'est qu'on pourrait presque se servir de ça, de la place actuelle du générateur, pour mettre les sorteurs. Ouais, mais il est juste une case en dessous, c'est ça? Après, t'as le sol et tout, il y a juste un de haut ici, où il y a le générateur. Ouais. Et il y a des câbles qui passent sur le sol, au-dessus, là-haut, ça va être un Ah, peu. pas remodifié là-bas. C'est trop étroit. Tu veux Peut-être faire des. quoi? Tu veux descendre le sol et reculer le. Pas pour forcément descendre le sol, non, je voulais pouvoir réutiliser le fait que ça soit vitré et tout. Sauf que avant ça donnait sur notre solide générateur, et là ça donnerait sur les sorteurs Ah, là qui vont oui. vers la nouvelle salle. Voilà. Là, tu présentes un argument intéressant. Sabdam,
Donc, par exemple. C'est vitré au-dessus. Si on arrive à avoir les vitres là sur la pièce du générateur, ça peut être vachement sympa. Les solides générateurs sont visibles. En plus, on voit le ciel. Ouais, j'arrive pas à rentrer là, ça me saoule. Oui, non, mais mon but c'est de. Comment m'expliquer? Du coup. Ah oui, non, mais là, moi là, c'est. Je suis convaincu là. Ah, ça y est. Non, mais ça, on va l'utiliser, ça, on le garde. Du coup, on mettrait par exemple. Non, mais même on peut laisser ça et faire évoluer la salle en dessous. Oui, voilà, exactement, oui. On fait évoluer la salle en dessous. Il y a une scène, ça va vous faire trop drôle, très drôle quand ça va... Non, mais le solide générateur, lui, il va s'en aller. Oui, exactement. Il part en dessous, mais à la place... Il y a une save. Voilà. Oui, on met les sorteurs, c'est ça. Pour répartir entre chaque générateur. C'est ça. Oui, j'ai compris. Et donc les sorteurs, ils seraient visibles d'ici. Oui, mais pas à cette hauteur-là. Il faut encore descendre. Pourquoi pas à cette hauteur-là, justement ? Descendre. Parce que c'est trop étroit. Trop étroit. On n'a même pas de quoi passer, là. Mais il n'y a pas besoin de passer. Ça sera vitré au-dessus sur les quatre cases. Comme ça, on voit nos sorteurs, mais on n'a pas besoin d'y accéder. De la même manière où on n'avait pas besoin d'accéder au générateur. Donc du coup, les trois sorteurs seraient ici, directement où il y a l'arrivée du charbon. Oui. Comme ça, on n'aurait pas besoin de changer le charbon. Et les générateurs, on peut les mettre en contrebas. C'est ça. Là, oui. Là, je dis oui. Trois sorteurs, oui, ça passe nickel, là, c'est bien. Alors du coup, ça fait un sorteur peut-être qui est à cheval sur... Ah ! Non, j'allais dire, est-ce qu'on garde celle-là ou pas, mais... Oh, Santa Madonna. Madonna n'est pas une sainte, sinon ça se saurait. Si, Marie, c'est une sainte. Mais t'as dit Madonna. Oui, mais Madonna, elle a pris pourquoi elle a pris ce nom-là, toi ? Ben oui, mais Madonna, du coup, n'est pas une sainte. Non, ça se saurait. La chanteuse n'étant pas une sainte, mais la Madone, c'est une sainte. La Madone. Non, c'est la Santa Madonna. Santa Madonna est une sainte. Ah, mais t'as ton... Ton stacker, il est réglé à 1, toujours. Ouais. Tu veux pas qu'on l'augmente tant qu'on est là ? Non. Non ? Quoi ? Je sais plus pourquoi je l'ai mis à 1. C'était pour... C'était parce que à l'époque, c'était... Oui. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que là, maintenant, ça nous ralentit dans le brûlage du charbon. Ah bon ? Oui, puisque le temps que ça s'ouvre et qu'il y en a un autre qui rentre, c'est temps de brûlage de perdu. Mets-le à 200. Je le mets à 500. Je peux se dégager. Même si ça sert à rien. Mettre les frames. Là, on met au niveau de la salle des batteries, ça me donne les frames. C'est au niveau des batteries, là. Ah oui, d'accord. Je suis bon. Attends. Ah là, oui, d'accord. Oui, non, c'est la gaine technique que je voyais, moi. Ouais. Je suis OK, là. Je peux te retirer celle-ci. Par contre, il va nous falloir un airlock pour accéder à cet endroit. Ah oui, parce que cet endroit, on doit récupérer les gaz. Pour qu'elle soit une pièce isolée. Oui. Ouais, elle a gain technique aussi. Après, on peut vitrer. Oui, non, mais isolé d'un point de vue. Gaz. Et gaz et.
qu'elles soient hermétiques, quoi. Alors, tu veux le mettre dans la longueur, c'est ça? Non, je sais pas, là, pour l'instant, je pose, et puis après, je verrai. Faut pas être hermétique. Tu remets des frames ici. Voilà, c'est pour supporter les stackers. Non, mais je vais mettre. On va mettre des murs là. On va mettre du caillebotis, des trucs comme ça ici, à cet endroit-là. Dessous les sorteurs, on va mettre du caillebotis, ce genre de choses. Faudra mettre des vitres, je pense. Ouais. Mais ça peut être une seule. Mais les sorteurs peuvent être dans la même atmosphère que les. Techniquement, oui, mais bon, tu. Si plus grand est l'atmosphère, moins ça va. Plus efficacement. Moins c'est efficace. Ok, ben on mettra des vitres. On prendra du mur plat, du mur. Des murs. Oui, je crois que c'est plat. Faire des vitres, c'est-à-dire que les sorteurs vont être posés sur des vitres? Oui. Je sais pas, hein. J'ai une idée. Ici. Il faut que je déplace ma gaine technique des câbles là. Ça y est. Qu'on déplace les câbles rouges, jaunes. Oui, rouges. Ça se déplace. Ah, bien sûr. Jaune et rouge, de toute façon, c'est celui qui va repartir d'ici. Après. Vrai, je dis, c'est... Et le rouge aussi, il faut qu'on le déplace. J'ai une idée, je reviens. Chercher mes. Reviens. Tu vas chercher ton idée, tu reviens. Ouais. Ah. Pourquoi est-ce qu'on veut pas passer là où il y a des barrières faire, Eska. Ouais. Das, au-dessus de la de cette gaine technique, on peut commencer à mettre des frames. C'est pas. Ça va pas être trop haut. Non, mais. Non, là, on peut pas. C'est la gaine technique, là. Si tu mets des. Il faut mettre des murs. C'est cette gaine technique, elle a 2 de haut, je crois. Bon, je descends. Tu veux mettre où? Par la qui, là? À moi? Ouais. Ah, juste là, juste à cet endroit-là, tu, là, au niveau de cette frame-là, on peut tirer des frames pour couvrir la gaine technique. Ouais, mais c'est un passage de la gaine technique à étage, ça. Non, donc, là. Tu peux arriver d'ici. Oui, mais là, faut qu'on isole la pièce. Bah plutôt avec des murs, non? Ou avec des murs, oui, des murs vitrines. C'est lequel, là? Regarde, il y a le câble bleu aussi, là, qui devrait être dans la gaine technique, celui-là. Il est dans la gaine technique, ce câble bleu. Oui, mais si on met une frame par-dessus. Mais il va être comme... Ouais, il va être comme ça, là. On va voir à peine comme ça. Ouais, tu peux mettre un mur, si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!